monde, j'espère que vous... Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo où en fait, je vais faire un haul. Voilà, super. Fais pas gaffe à mes cheveux parce qu'en fait, je suis zéro effort. Bref, du coup, aujourd'hui, en fait, on va faire une vidéo où, je vais vous faire un haul tout simplement. Alors ça, c'est des trucs que j'ai achetés. Et aussi des cadeaux parce que en fait je voulais pas faire une vidéo spécialement où je mets mes cadeaux de Noël, enfin mes cadeaux d'anniversaire plutôt, parce que ça fait trop les meufs. Genre personnellement, moi quand je vois ce genre de vidéo, j'aime bien regarder pour voir les cadeaux qu'elles ont du tout parce que je suis trop curieuse. Mais aussi dans mon côté, je me dis ouais, il y a des filles qui font ça pour vraiment pour aider les gens, etc. Enfin, vraiment de bonne foi. Il y en a aussi qui font pour se vanter. Mais bref, je voulais faire ça pour faire un haul simple comme ça, pour faire avec ce que j'ai acheté et les accumulations de colis, etc. Parce que voilà, il y a quand même un sacré paquet. Donc je tiens à dire que les habits ne vont pas avoir d'étiquette parce que ça faisait longtemps que je les avais, etc. Ça faisait 2 mois, du coup bah, je les ai portés, etc. Mais ils sont totalement neufs, voilà. Bon, du coup maintenant on va commencer. En fait je suis partie, bon, on s'en fout de ma vie, mais je suis partie chez mes grands-parents et en fait j'ai pris des cadeaux et tout, etc. Parce que j'avais prévu de faire le haul là-bas, sauf qu'en fait je l'ai pas fait. Du coup voilà, c'est tout. Tout emporté dans la chambre. Bon, on en fait pas grave. Donc déjà on va commencer par ce gros sac. On va commencer par ce gros sac. Donc c'est un sac de Moa, mais il n'y a pas que du Moa. Voilà. Enfin il n'y a pratiquement pas de Moa. Donc premièrement, ça c'est une commande de Kiabi. Écoutez, commande Kiabi. Ah oui. Ah, les astuces. Pour les bagues, ça c'est chiant. Bref, donc il y a du Sephora et brochure, bref, il y a tout et rien. Donc, on va commencer par le Kiabi. Donc, pour commencer, on a un petit short comme ceci. Simple, efficace. Est-ce qu'il y a encore l'étiquette? Non, il y a que ça. Mais est-ce qu'il y a l'étiquette comme ça? Oui, voilà, c'était taille S. J'allais vous dire les prix, etc. Parce qu'en fait, je filmais avec mon téléphone, du coup, bah, ça va marcher. Mais bref, voilà, petit short comme ceci. Est-ce que je teste? Bon, je vais pas vous montrer. Enfin, c'est un short simple. Bon, juste petite parenthèse, je teste Kiabi. Voilà. Parce qu'avant, en fait, quand j'étais petite, certes, j'avais Kiabi, mais aussi d'un côté. Maintenant, je pense. Alors, après, nous avons un t-shirt large comme ceci. Derrière, en fait, donc là, c'est California, Los Angeles. Et derrière, il y a toutes les petites villes et tout, parce que la Californie, je crois, c'est un état. Bref, voilà. Du coup, là, c'est toutes les petites villes et tout. Donc, vous avez Santa Monica, je crois. Ouais, la Playa del Rey, Leo Carrillo State Park. Qui peut connaître la... Non, vous connaissez pas peut-être. Comme Santa Monica, Morales Beach. Beach, parce qu'en fait c'est génial. Beach. Bref, c'est Beach la plage. Playa, j'ai dit ça, El Porto Beach. Bah après, Manhattan Beach, Country Park. Bref, voilou. Donc en vrai, ça, beaucoup de personnes m'ont dit que j'avais acheté sur Shein, alors qu'en fait, pas du tout. Je l'ai acheté sur Kiabi, donc vraiment. Très étonnée. Après, j'ai pris un autre t-shirt large. Donc ça, c'est Rolling Stone. Voilà. Derrière, il n'y a rien. Simple. Taille de M, j'ai pris, je crois. Ouais. Après, il faut toujours ranger, j'ai pas envie. Bref, après, on a... Oh, voilà, c'est un petit... une petite brassière, on va dire. Comme ça, un éponge, je crois. En serviette. Enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Après, on a un body avec l'étiquette. Oh bébé, tu t'es là. Donc voilà, petit body. Ça, c'est ma mère qui a fait la commande, donc c'est un peu une surprise. Enfin, c'est pas trop une surprise, mais c'est juste que évidemment pour être poli, je vais dire ouais, attendez, je vais attendre que je fasse la vidéo, etc. Mais du coup j'ai tout ouvert, mais honnêtement, en vrai,
d'habitude ma mère elle prend des trucs, j'aime bien, vous voyez, sauf qu'en fait des fois, voilà, en tant que père. Mais là en gros ça va, elle a pris des trucs que j'aime bien, voilà, donc ça c'est petit body, voilà. Pardon. Après nous avons... Nous avons un cycliste très froissé, mais à part contre la couleur, je sais pas du tout avec quoi le mettre. Vous voyez, voilà la caméra. Donc, je sais pas, comme tout le monde dit, à la caméra ça fait très blanc. Donc, en fait, là ça fait très canard, en fait, là ça fait très gris, mais en vrai, là ça fait très bleu. En fait, vous avez compris. Et genre, en vrai, de vrai, je sais pas à quoi avec le mettre. Parce que pour moi, mettre ça avec un crop top par exemple bordeaux comme ça, pour moi ça va pas. Donc un t-shirt large, tu vois. Alors je me dis, avec quel t-shirt? Non. Bon, ça, je pense que je vais vendre sur Vinted. Donc mon Vinted, je sais jamais. Là ou là, voilà, il sera quelque part dans tous les cas. Donc même, et ça sera aussi en description. Voilà. Donc voilà. Bref. Et il me reste un dernier article. C'est ce petit top. Ma tête. Non, c'est pas ma tête qui est intéressante, c'est ça. Donc, on vient mettre le petit top et on vient mettre ça comme ça. Ouais, vous avez compris. En gros, ça fait ça. Vous allez me dire, waouh, c'est très joli. Parce qu'en fait, là, c'est très grand. C'est-à-dire, ouais, j'ai un truc de Noël en bas. Mais c'est pas grave. Bref, en gros, si je mets ça, vous voyez, avec un petit jean trop classe et tout, même un truc et tout. Pour moi, j'aurais aimé que ce soit un top. Parce que là, si tu mets ça avec un jean taille basse, je suis dans Totally Spies. C'est sûr. Mais bon. Il y a Jerry qui m'appelle. Il me dit, ouais, allez, il faut aller faire une mission. Bref, vous avez compris. J'aime bien le style parce que j'ai pas de top un peu, on va dire. J'ai que des tops normales, genre bandeau. Après, j'ai que des tops genre. Enfin, vous avez compris. J'ai pas des tops comme ça, un peu, tu vois, on va dire anormal. Mais vous m'avez compris. Mais le truc, c'est que genre. C'est un peu grand, vous voyez. Mais sinon, ça va. Voilà. Bon, on a fini. Donc ça, je vais laisser sur mon lit, comme ça après le tournage, parce que vous, après le tournage, là, ça se trouve, vous allez partir de cette vidéo. Mais après, moi, je dois tout ranger. Bref. Donc, ça, poubelle. Après, donc, est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on fait ça ou ça? Je pense qu'on fait ça. Bon, après, on va passer à Victoria's Secret. Et ouais. Donc... petite pochette Victoria's Secret. Alors, en fait, j'ai... donc j'ai des petits bons de réduction. Ok, super. Ok. Bon, après c'est la facture, je crois. Ouais, après là c'est la facture. Voilà. Bref. Ça, on va mettre ça où? Ça où? On va mettre ça où? Ça où? Tellement de jours que je garde ces papiers et tout qu'ils sont froissés. Donc, première brume. Ah, mais non, merde. Attendez. Qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça, vous inquiétez pas. Donc. Alors. Donc. Attendez. Première brume. Donc, moi j'ai eu 3 brumes, ouais. J'ai eu 3 brumes. Donc, voilà les petites boîtes. Et la boîte où il y avait tous les petites boîtes comme ça, elle est là-bas, mais flemme de vous la montrer. En gros, donc c'est une petite boîte comme ça. Bon, voilà, vous avez compris. Voilà, on ouvre. C'est ça. Voilà, voilà. Nous avons la petite brume. Donc, c'est recyclé, bref, vous avez compris. En fait. Oh, bref, vous avez compris. Donc, première brume, c'est la Velvet Pétale. Bref, ça. Après, nous avons
Après, nous avons notre boom. Celle-ci, c'est la, je crois, Love Spell. On a la Love Spell. Après, nous avons la pure séduction. Et voilà. Voilà, trois petites brumes. Donc, je tiens à mettre des petites parenthèses. J'allais dire quoi ? Je sais plus ce que je voulais dire. Bref, voilà, j'en ai eu trois. Après, donc, on a fait qui habite ? On a fait Victoria's Secret. Maintenant, je pense qu'on va passer un peu à un autre colis que j'ai eu de la part de mes grands-parents. En fait, je vous explique ce que j'ai raconté ma vie dans cette vidéo. Alors, d'abord, je vais m'accrocher les cheveux par ce bandeau là. Bon, oh my god, ma tête. Bref, donc, je voulais dire que, en gros, je vous explique. Mes grands-parents, ils se sont quittés il y a super longtemps, mais longtemps. Et du coup, de chacun de leur côté, ils ont fait leur life, vous voyez. Donc, là où j'habite. Non. Bref, ils se sont mis chacun de leur côté, voilà, ils ont habité chacun de leur côté. Maintenant, ça, c'est un colis de mon vrai papy. Donc il est à Toulouse là-bas et tout. Il y aura un vlog qui va arriver très bientôt. Donc soyez actifs, mettez la petite cloche de notification. C'est juste... on recommence. Donc du coup, il est à Toulouse. Et en fait, je ferai un vlog aussi quand j'irai là-bas. Donc surtout, soyez très actifs. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et observez, vous pouvez avoir la petite cloche de notification pour rater aucune des vidéos extra qui vont arriver. Parce que... il y a des vidéos qui m'arrivent, je vais pas vous spoiler parce que bon voilà, mais bon, c'est un peu rien à spoiler. Bref, soyez actifs parce qu'il va y avoir des trucs qui vont arriver. Donc, j'étais en train de dire que. Ouais. Donc ça, c'est le côté de mon papy. Donc, du coup, il m'a envoyé un colis. Voilà. Et c'est un pyjama. Ouais, il est en boule parce que je l'ai mis. Mais écoutez, je l'ai lavé déjà, donc c'est déjà ça. Est-ce que j'avais... il y avait une petite carte, je crois. Je sais plus où je l'ai mis la carte. Bref, ah oui, c'est bon, je sais où je l'ai mis. Donc, ouais, donc du coup, voilà, un petit pyjama de chez Angie's. Il est juste. Ah, il est incroyable. Franchement, je veux rien savoir. Il est juste incroyable. C'est beau, hein. Bref, il est très long. Voilà, j'adore les pantalons fluides parce que. Tu te sens aéré dedans. Je sais pas comment vous dire, mais je sais pas, tu te sens bien dedans. Et après, on a le haut, comme ceci. Voilà, avec les petits froufrous devant. Voilà. Je sais pas le prix parce que c'est un cadeau. Voilà. Après, on va passer aux produits de beauté. Ouais. Donc ça, c'est un cadeau de la part... Wow, il est très caboté. Mais ça, c'est un cadeau de la part... Ah non, je suis bête. Non. Donc ça... ça, c'est pas cadeau. Ok. Donc, du coup, cadeau. Alors, on a... ça, c'est de ma... pote. Je me dis que ma pote elle fait pas d'effort, elle a pris un truc de dragée et genre elle a découpé et elle a mis. En plus, regardez les agrafes qu'on a sur ma vie. Bon bah, il y a que ma pote qui peut faire ce genre de cadeau. Bref, donc petite huile brume parfumée corps voilà, monoï. Je
crois que ça c'est le packaging qu'ils faisaient en 1980, je crois. 85. Un truc comme ça. Et ils l'ont repris du coup pour faire un packaging comme ça. Mais en vrai, en 1985, ils faisaient des bêtes trucs. Hein. Donc ça c'est comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, ils font des trucs comme ça. Quoi. Ouais, c'est sûr que c'est mieux celui-là. Mais en vrai, ça va quand même. Hein. Donc elle est toujours le même marron. Ouais. Donc, ils sentent trop bon. Franchement, ouais. Franchement, j'ai eu. Ça, c'est un parfum Monoi que j'ai eu aussi à mon anniversaire. Que j'ai eu en cadeau comme ça. Et franchement, l'odeur, elle fait Monoi, mais elle reste en 2 secondes. Ça, c'est folie de Monoi. Voilà. Voilà. Donc là, je le mets dans les petits parfums. Parce qu'en vrai, celle-là, voilà, genre, elle parfume pas du tout de ouf et tout. Alors que celle-là, là, elle envoie du paquet. Hein. Ah ouais. Incroyable. Et après, il y a eu. Non. Je rigole. Hein. Je t'aguille. Après, il y a eu un petit baume à lèvres à la noix de coco. Donc celle-là, tout le monde l'a eu, tout le monde l'a et tout. Ça, je l'ai en 2 exemplaires, donc ça sera mon 3e. Donc je pense que je vais en vendre un, je crois, sur LinkedIn. Là. Il fait chaud, mais... Non, je rigole pas du tout. Bref, après, j'ai un autre cadeau de ma poste, mais c'est tout là-bas au fond. Et je ferai ça plus tard, parce que j'ai la flemme de me lever. Donc après, comme cadeau, j'ai eu de Moa. Pas de moi, mais genre bon, de la marque Moa, ce gros sac pour les cours. Donc voilà. Oh, il est cabossé. Voilà, de Moa. Je sais pas si vous voyez, bref, vous avez compris. Voilà, très joli. À l'intérieur, il est gigantesque. Quand je vous dis gigantesque. Il est vraiment, quand je vous dis vraiment, gigantesque. Il est énorme. Voilà. Ouais. Il est énorme, il y a des petites pochettes, etc. Non, franchement, il est bien sac. Voilà, il est très bien. Après, on va rester dans les sacs. J'ai eu un 2e sac offert. Donc, je vais vous montrer. De toute façon, je ferai un All My Bag bientôt, là, ça va arriver. C'est pour ça qu'il faut vous abonner. Bref, du coup, voilà. Donc, petit sac comme ça, très joli, j'adore. Voilà. C'est un petit truc comme ça en doré. Pas en or, en doré. Voilà, donc moi je le croise pour faire un petit côté chaîne. Sinon, voilà, ça se porte comme ça si vous voulez le porter comme ça. Et si vous voulez faire un petit côté chaîne, vous tournez l'anneau, bref, comme ça. Après vous pouvez porter comme ça. Donc en fait ce que je reproche à ce sac, c'est qu'il est un peu trop long à la chaîne. Du coup genre quand je le mets tout, bah genre le sac il m'arrive vers les fesses. Genre je sais pas comment vous dire, normalement ça devrait arriver juste au dessus de votre taille. Vous voyez ou pas? Là c'est un peu grand. Du coup c'est pour ça que je le porte souvent en mode comme ça. Voilà. Du coup à l'intérieur, donc ça, ça là c'est un faux truc. Voilà. Donc là on a juste à... Oh, c'est aimanté. Voilà, on a plein de trucs. J'ai encore l'étiquette. Je pense qu'il faudrait l'enlever l'étiquette. Je pense qu'il ferait temps. J'ai pas de ciseaux avec moi. C'est super. Est-ce qu'il n'y a pas ma trousse là? Oui. C'est mon sac de cours. Ouais. En fait avant j'avais mon... Il se pack. Et genre 2 semaines avant les cours. Parce qu'en fait... Et bref, du coup, ma petite trousse, oh là là, tu me manques tellement. Ma pote, merde, franchement, il y a ma pote, elle a écrit des trucs dessus et tout. Top secret. Bref.
Donc, est-ce que j'ai encore mon ciseau? Oh, la trousse à l'ancienne, regardez ma trousse et tout. Alors, les papiers, c'est pas des trucs de triche. C'est que, en fait, ça, c'est que des papiers. On se passait en permanence. Bon, en hors de colle, j'avais personne avec moi, mais c'est pas grave. Donc. Mauvais souvenir. Donc, ça, c'est que des papiers où, on s'envoyait des mots et tout. Enfin, bref, que des trucs comme ça. Donc, voilà. Donc, grave la trousse à l'ancienne et tout, avec les bics, tu connais. Moi, j'avais que ça en vrai. Hein. Ça va. Voilà. Les trousses, il se passe que c'est les meilleures. Voilà. Très bien. Donc, je voulais dire qu'on voulait couper juste cette étiquette. Donc, la marque, c'est Manoukian. Voilà, je fais un petit partenariat. C'est totalement faux. Bref, voilà le petit sac. Très mince. Après, j'ai eu un autre sac, mais je sais pas où il est. Allez là. Après, du coup, j'ai pris ce petit sac. Enfin, j'ai eu ce petit sac. Voilà, donc j'avais vu chez Guess un sac comme ça et je le trouvais incroyable. Il y en a qui vont dire, oui, c'est quoi tes goûts et tout, mais moi je le trouvais juste incroyable. Et du coup, bah, comme il n'était pas dispo, etc. Et bah, du coup, on en a pris un de chez David Jones. Enfin, on a cherché tout, on a trouvé un de David Jones. Du coup, il est comme ça. Voilà, il y en a la petite bandoulière et ça, c'est le meilleur. Genre, franchement, c'est un sac que tu peux mettre, genre en mode night tech et. Jogo et tout, même avec une petite robe. En fait, c'est ça qui va avec tout. Donc voilà. Bon, faites pas gaffe, dedans il y a tout et n'importe quoi. Oh, mes clés. Bref, vous avez capté. Voilà, chewing gum, chupa choups. Voilà. Donc, voilà. Après. Donc, c'est ça que c'est bon. Après, on va passer un peu dans les produits de beauté. Donc, en fait, j'avais prévu de faire acheter un All My Bags là-bas, chez mes grands-parents. Parce qu'en fait, je l'ai pas fait. J'avais grave la peine. Après, un autre cadeau de chez Yves Rocher. Donc, petite box. Et juste la box, elle est trop belle. Franchement, Yves Rocher, même si bon, des fois, c'est un peu pour les vieux, un peu pour les vieux. Mais en vrai, même pour les jeunes, ça va. En vrai, les packaging, bon, il est vraiment incroyable. Hein. Franchement, les packaging, ils sont beaux quand même. Voilà. Donc, il y a une petite étiquette comme ça. Oh. Donc, nous avons une petite box. Une petite box avec. Alors, on voit rien du tout. Une petite box comme ceci. Bon. Bref, ça je vais vous montrer en détail, ne vous inquiétez pas. Donc ça c'est mangue, donc ça c'est une un gel douche, donc mangue à la coriandre, mangue et coriandre. Voilà. Franchement, Yves Rocher c'est une bonne marque. Franchement, honnêtement, c'est une... J'adore. Santé. Ça sent pas trop bon, genre. Franchement. Ça sent bon. Après, nous avons un... C'est quoi ça? Un, c'est le cache pour... Ok. Après, nous avons un gel lavant-main moussant. Framboise et menthe poivrée. J'avais vu un moment un déodorant, je crois, menthe poivrée. J'avais pas trop aimé ce que, genre, la menthe poivrée et tout. C'est pas que ça sentait pas bon, c'est que, genre, en fait, c'était pas l'odeur que j'avais envie, en fait. Genre, j'avais un peu plus floral, etc. Bref. Mais j'arrive pas à sentir. Ça, c'est un gel lavant-main. Ça, c'est pour se laver les mains. Voilà. Oh, ça sent grave bon. Je suis choquée, oui.
Et des mélanges, tu vois, genre vraiment, elle est branchée à des mélanges. Tu te dis, oui, bientôt ils vont te faire banane et. Et banane et quoi? Banane et saumon, ça se trouve, ils vont te le faire à un moment. Genre vraiment, par exemple, menthe poivrée et framboise, genre, je vais penser. Après, on a un petit gommage corgel. Pareil, ils sont trop bons. Je vais vous montrer un peu là. Je te montre la texture, mais je suis trop con. C'est pour le corps? Ok, bon bah écoutez, on va se faire un petit gommage pour le corps. Oh, les petites billes, elles font trop du bien. Oh, attendez, est-ce que j'en ai mis partout? Partout, 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 partout. Oh my god, mais ça sent trop bon. Vous voyez les petites billes? Voilà les petites billes. C'est trop du bien. Franchement, honnêtement. Un bon 10 sur 10 ce petit coffret. Vraiment, merci, 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 merci. Juste au cas où, si vous voulez les prix, etc., dites-moi en commentaire. Parce qu'en vrai, je vais pas vous mettre les prix. Parce que ça fait un peu la meuf, genre. Ouais, un coffret à 10, 100 euros et tout. C'est fou, là. C'est pas mal. Mais vous avez compris, genre, ça fait un peu la meuf qui veut prouver. Après, si vous voulez les prix, dites-moi en commentaire, je vous répondrai, etc., 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 etc. Donc, si je dis, ouais, c'est quoi le prix de la du gommage corps et tout, nanana, bah, je vous dirai le prix, etc., si vous voulez l'acheter ou vous l'offrir ou offrir à quelqu'un que ce soit. Voilà. Waouh. Après. Après. Je vais les habits et tout. Voilà. Après là c'est bon. Après j'ai d'autres cadeaux donc j'arrive 2 minutes. J'arrête de faire la meuf. Bref, vous avez compris, j'ai eu un téléphone. Parce qu'en fait, je sais plus, avant j'avais. Si vous voulez, bah, en vrai, j'ai pas eu beaucoup beaucoup de téléphone. Parce que. Enfin, comment dire? Wesh les billes. Bref. En fait, j'ai eu plein de téléphones. En fait, j'ai une aventure avec des téléphones. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils étaient trop vieux, ils marchaient pas que ce soit. Et du coup, là j'avais un Redmi 10C, un truc comme ça. Et en fait, j'en avais marre parce qu'il faisait que bugger. J'allais sur un jeu, l'écran il se bloquait, ça tournait toujours. On aurait rien, il a explosé. Genre, on aurait déjà un ordinateur, ça faisait. Il était super chaud et tout. Il descend... enfin, la batterie tenait jamais. Donc, je l'ai acheté sur Back Market, mon téléphone, parce que de base, je voulais le prendre sur à iPhone, sur le site iPhone ou même l'acheter neuf et tout. Parce qu'en fait, les prix, mais oh my god, tu vois. Donc en fait du coup bah du coup j'ai pris sur Back Market parce que c'est bien pour la planète etc. Et du coup ça a reconditionné mais quand je le genre là par exemple je filme avec mon iPhone du coup et genre honnêtement on dirait que c'est un genre la batterie il n'y avait pas de problème de batterie genre que ça allait jusqu'à 96 ça va jusqu'à 100% les applications ça va être parfait les mises à jour parfait on dirait que j'ai pris un neuf je vous jure on dirait que j'ai pris un neuf. Donc franchement Back Market bravo bravo. Donc après j'ai eu dans cette petite boîte. Alors j'ai eu la boîte. Après je l'ai eu dedans. Ouais il y avait ça. Après quand j'ai enlevé ça il y a eu ça. Après j'ai ouvert. Donc ça c'était la poulette où il y avait l'iPhone dedans. Il est très minuscule. Enfin je vous dirais la marque. Après je sais pas si ça fait la meuf. Bref. Ça c'était le truc pour le chargeur. Et ça c'est le truc pour la carte SIM. Voilà. Voilà, donc c'est un iPhone 12 mini 128 Go. Voilà, super. Donc j'ai surtout pris cet iPhone pour YouTube aussi parce que je voulais. En fait, j'adore me filmer, surtout sur rien. Par exemple, je sais pas moi, je vais aller manger un kebab ou un truc comme ça. Je veux juste filmer, genre j'adore filmer tout le temps. Donc justement, j'ai pris aussi pour ça. Mes frères, c'est pas possible, regardez, je suis blanche. Coulant. Bref, voilà donc je voulais mettre une petite parenthèse donc j'ai un petit téléphone et merci beaucoup à mes parents parce que franchement même au départ ils voulaient pas que je prenne un iPhone donc là franchement merci. Donc après il reste encore un cadeau et un pote aussi donc de la petite Mirami. Voilà déjà le packaging il est le sac excusez-moi mais il est pas trop beau genre bon là d'ailleurs on voit pas vous voyez mais quand on tourne là on voit tous les effets et tout. Bref,
Ah bah oui, elle m'a fait des trucs pour les ongles et tout, sauf qu'en fait là c'est rangé et tout en haut là ici. Et j'ai grave la flemme de l'enlever parce qu'en fait j'ai d'autres vernis etc. Et il faut que j'enlève tous les vernis. Bref, elle m'a offert 3 vernis un peu de couleur d'été et des petits trucs pour les ongles etc. Bref. Après elle m'a offert des trousses à maquillage je crois, enfin des trousses de beauté. Donc première trousse. Première trousse, donc ça se tourne comme ça, donc là on a les petits trous pour mettre tes pinceaux, même tes palettes ou des petits trucs comme ça. Là on peut mettre les plus gros trucs, je pense, ouais. Et après au milieu, voilà, tu mets ce qu'il faut. Et après j'en ai une deuxième, comme ceci. Donc là dedans je pense qu'on va mettre des chouchous, tout ce que tu veux. Et là je pense que c'est les pinceaux, voilà. Et après voilà au milieu, pareil. Voilà. Pas trop. Waouh. Voilà. Et même le sac, je sais pas pourquoi, mais je vais le garder. Même si j'ai pas toute place dans ma chambre, je vais le garder. Voilà tout ce que j'ai eu comme cadeau. C'est quand même pas mal beau. Je me suis acheté un petit truc pour moi à Sephora. Enfin, un petit truc. Des petits trucs. Du coup, je vous dis. En fait, déjà la dame, elle était très aigrie quand j'ai pris. Parce qu'en fait, comme je suis une jeune femme, en fait, genre, je suis arrivée et tout. Et donc, déjà, je dis ouais, bonjour et tout. Bref, rien. Et je demande des conseils, etc. Parce qu'en fait, j'avais hésité sur un truc. Donc, c'est ça, là, j'hésite un truc. Et elle me dit ouais prenez ça nanana. En plus c'est elle que je me suis tapée à la caisse. Bref et du coup j'étais, moi j'étais de bonne humeur et tout parce que je suis tout le temps de bonne humeur. Bref. Et genre du coup j'arrivais et tout nanana. Bref on finit par prendre ça. Je finis par prendre mes autres trucs etc. Et là elle arrive à la caisse et tout. Elle me fait vous mettez vos articles nanana. Bref je mets tous mes articles et tout. Et elle me dit ça sera tout. Et je lui dis oui. Elle me dit ok ça fera un total de nanana. Donc je paye etc. Nanana. Et elle me dit elle me prend déjà elle me prend les articles et elle me fait elle me les pousse comme ça, genre, je sais pas comment dire. Elle me prend tous les articles et elle me les pousse comme ça vers moi. Genre en mode je prends tout et je me casse. Et je dis madame est-ce que ce serait possible. Elle me fait dans un sac. Et je dis non. Elle me fait bah pourquoi vous me dérangez. Et j'ai dit mais non j'aimerais juste avoir ça dans un papier cadeau et tout. Elle me dit regarde comme ça elle me fait. Ok, bah fallait dire avant. Hein. Bon, bah ça sera, ça fera plus 30 centimes. Je montre comme ça. Donc, du coup, elle me met sur cette jolie pochette. Et elle prend tous les articles et les. Pas qu'elle les jette, mais genre, comme ça. Après, elle faisait. Genre, je sais pas, avec toi, ma belle. Genre, j'ai payé ça à plus de 60 balles. Tu commences pas, bref. Et après, c'est pas vrai, hein, j'ai pas payé ça à 60 balles. Et après, du coup, bah, je me suis barrée et tout. Mais genre, les gens, ils sont aigris. Bref, donc, premier article, j'ai pris une crème pour les yeux éclat. Voilà, parce que j'en ai besoin. Je sais pas si vous voyez mes cernes énormes. Voilà. C'est quoi? Ah. Bref, voilà. Après, j'ai pris. Bref, après, j'ai pris plein de gels. Merci, Angie. Je fais cette collection des gels. Oh, c'est ouvert. Ça va. Donc, du coup. Trois petits gels. Donc, j'ai pris le gel. Namasté. Voilà. J'ai pris le gel Floral Power et j'ai pris le gel Unicorn. Voilà. Donc j'ai pris 3 petits gels comme ceci. Ah, après, il est où mon truc ? Ah, il est là. Et après, je me suis acheté quelques masques. Donc, premièrement, on a le masque des yeux à la grenade. Et après, on a un masque. Pour le visage à la myrtille, donc perfecteur pour éclat.
Donc, je me suis pris masque effet bulle. J'ai pris aussi des masques pour les yeux au concombre. Et après, j'ai pris un autre gel balance pour ma soeur. Parce que ma soeur est balance. Ouais. Et ça aussi, j'ai pris pour ma soeur parce que voilà, je l'adore. Voilou, voilou et voilou, voilou. Bref, les guys, regardez un peu le bazar. Bon, déjà là, c'est ce qu'il y avait pour les 5. Bon, les gars, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Voilà, donc encore une fois, enfin, j'ai pas dit, mais bref, je vais pas ça pour me vanter. Bref, voilà. Si ça vous plaît pas, pourquoi vous regardez cette vidéo? Et la question, par exemple, je sais pas pourquoi j'ai un kiff de regarder les All My Sneakers, les meufs qui montent tout leur sac de luxe, je sais pas. Parce que c'est de l'admiration, je ne sais pas. Bref, du coup, les gars, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Si vous voulez d'autres types de vidéos, vous aimez bien les hauls, vous aimez bien quand je montre, je sais pas moi, vous aimez bien quand j'ai, je sais pas, une dégustation, je sais pas, une vidéo que vous voulez que je fasse et tout, parce que il y a une vidéo qui va arriver où je vais tester des jeux mobiles, donc j'aimerais voir pour faire cette vidéo. Pas sûr, etc., parce que j'ai pas les caméras, etc., pour, mais il y a des trucs qui vont arriver, des trucs aussi où j'ai testé des life hacks, etc., bref, il y a des trucs qui vont arriver. Donc soyez actifs, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification pour rater aucune des vidéos qui vont arriver. Il va y avoir un vlog qui va arriver aussi. En mois d'août, il va y avoir 2 vlogs qui vont arriver. Ou 3, je sais pas. Voilà, voilà. Et aussi, il va y avoir des petites vidéos de où je vous montre toutes mes chaussures. Où je vous montre tous mes sacs. Je vais vous, si vous aimez ce concept, je vais vous faire aussi avec les chaussures. Et aussi, je vous ferai un trait dressing, etc. Enfin bref, dites-moi toutes les vidéos que vous aurez à voir sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, etc. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, voilà, voilà. Mettez un petit pouce bleu pour dire, ouais, ta vidéo a été grave. Bref, du coup, bah voilà. Donc, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bisous!